Nous sommes aujourd'hui au salon Who's Next. Comme son nom l'indique, c'est un salon consacré aux nouvelles tendances et plus précisément à la mode, et qui nous a gentiment invités cette année à l'occasion donc de leur thème Africa Street cette année, donc qui est focalisé sur la mode et les cultures africaines. En fait, ils ont voulu à l'extérieur des halls consacrer un coin à différents stands dédiés à la culture africaine, à savoir le livre, donc nous. Vous avez des restaurants, vous avez des buvettes, vous avez des friperies, voilà. On a trouvé ça très original, d'autant plus que c'est un public qu'on ne côtoie pas généralement. Hein. Y a quand même pas mal d'Africains dans le public. Il y a énormément d'étrangers, il y a des Espagnols, enfin on croise de tous les pays plutôt. Et on est étonné de constater qu'ils sont très intéressés. Ils posent beaucoup de questions sur les livres, sur l'histoire de notre maison. Beaucoup ne savent pas que Présence Africaine existe depuis 1949. On a lancé un grand nombre d'écrivains de la négritude, d'écrivains qui font partie aujourd'hui du patrimoine culturel africain, des classiques de la littérature africaine. Suite à cette invitation, on a essayé de réfléchir à un pont entre les lettres et la mode. J'ai réfléchi à un concept. J'ai fait appel à une amie que j'aime beaucoup, donc Aïssa Ndiaye, qui est créatrice de la marque Africanista. Les t-shirts qu'elle fait sont plus ou moins proches des valeurs de Présence Africaine. Il y a des messages qui ont énormément de sens. Et donc j'ai trouvé ça pertinent de nous associer à elle. Elle a fait venir 5 mannequins qui ont déclamé des textes de poésie. Elles étaient accompagnées d'un musicien et parées donc des vêtements d'Africanista. Ce qui prouve que le livre peut voyager et s'adapter à n'importe quel événement culturel. Et donc on essaie de plus en plus d'aller vers cette vivacité pour rendre le livre un peu plus glamour et aller vers les gens. Afrique. Mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus. Merci beaucoup. Merci aux lecteurs. Merci à la Présence Africaine.